Oncle d'ours de Stéphane Servan et Laetitia Lesseau. Boucle d'ours. Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. Dans la maisonnette de la famille ours, tout le monde prépare son déguisement. Papa ours se trouve terrible en grand méchant loup. Maman ours finit de recoudre son costume de belle au bois dormant. Et toi, petit ours? Moi? Je me déguise en boucle d'ours. Qui? Que? Quoi? Bafouille papa ours. Boucle d'ours? Avec une jupe rose et des couettes blondes? Non, non, non! Tu ne préfères pas te déguiser en autre chose? Un chevalier courageux avec une armure et une grosse épée? Non, je veux me déguiser en boucle d'ours, dit petit ours. Ou alors un ogre féroce, avec des bottes et un grand couteau? Non, je veux me déguiser en boucle d'ours, insiste petit ours. Et pourquoi pas un petit cochon dégourdi avec une salopette et une belle truelle? Non, non et non, je veux me déguiser en boucle d'ours. Qui que quoi, s'énerve papa ours. Boucle d'ours, avec une jupe rose et des couettes blondes, mais c'est impossible. Pourquoi je peux pas, demande petit ours. Oui, pourquoi il ne peut pas, demande maman ours. Mais parce que tu es un ours. Et un vrai ours ne porte pas de jupe rose, ni de couette blonde. Ça, c'est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahuètes, les omelettes. Tap, tap, tap. T'as quelque chose contre les jupes et les couettes? Demande soudain une grosse voix. Qui que quoi? Bafouille papa ours. Moi? Pas du tout. T'es sûr? Grogne le grand méchant loup, déguisé en chaperon loup. Certain, les jupes et les couettes, oulala, j'aime beaucoup. C'est vrai? S'écrie maman ours ravie. Si tu veux, mon nounours, j'ai un très beau déguisement pour toi. Et ce soir-là, papa ours fut le plus beau de tout le carnaval. Avec son costume de cendrillon ours.